et aux hommes que vous ayez choisi l'hôtel de ville de Nancy et de pouvoir faire votre manifestation ici au sein de ce bâtiment qui représente un patrimoine, le patrimoine de la ville de Nancy. Alors encore, je tiens à excuser Mathieu Klein qui a été pris par d'autres obligations. Déjà, on va passer le diaporama, hein, professeur, je suis désolée, j'ai tout faire si ça continue. Voilà, je vous laisse faire des spécialistes. Alors, Monsieur le Président, chers professeurs à vous, mesdames et messieurs les élus qui vont venir normalement, parce que je crois que les élus vont venir également, puisque Martin Dupont est également attendu ici, c'est l'adjoint à la santé à la ville de Nancy. Mesdames et messieurs les représentants du SDIS et du SAMU, alors j'espère que je vous oublie. On ne va pas m'en vouloir, parce que vraiment je suis très heureuse que vous soyez tous là. Mesdames et messieurs les représentants, le tissu associatif, que je salue, l'ensemble des bénévoles et des équipes, des associations qui ouvrent au quotidien pour la sécurité, qui œuvrent vraiment au quotidien pour la sécurité des Nancéennes et des Nancéens. Alors, Grand Nancy des Filles, vos partenaires, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, la Protection Civile. Et si j'ai oublié quelqu'un, il faut le dire. Levez la main et dites-moi le. Alors merci d'être là. Tous ensemble, vous agissez au quotidien sur notre territoire pour protéger la population et limiter les risques. Nous sommes bien évidemment reconnaissants pour votre mobilisation de tous les instants et pour cette réactivité indispensable quand il s'agit de sauver des vies. Et la question de l'arrêt cardiaque correspond exactement à cette nécessité vitale d'une intervention la plus rapide possible. Sans crainte de premier secours, et en particulier d'un massage cardiaque, les chances de survie sont extrêmement minces. Sans prise en charge immédiate, 95% des arrêts cardio-respiratoires sont fatales. Je pense que mes sources. Or, le délai moyen est de 11 minutes entre l'alerte et la pose d'un défibrillateur par les secours institutionnels que sont les sapeurs-pompiers ici présents et le SAMU